temps et conditions météo idéales en ce vendredi 4 mars 2011 à Phalsbourg, à l'occasion de la présence de M. Gérard Longuet, ministre de la Défense et des Anciens Combattants. Pour sa première visite au sein d'une unité de l'armée de terre, M. Longuet, accompagné du général Iras Torza, chef d'état-major de l'armée de terre, a été accueilli par le premier RHC pour assister à une présentation des forces aéroterrestres. Une démonstration dynamique, simulant une opération aéromobile impliquant hélicoptères et fantassins félinisés du 1er et de Sarrebourg, ainsi qu'une évacuation sanitaire, ont permis au ministre d'apprécier concrètement les savoir-faire des soldats de l'armée de terre dans le domaine du combat interarmes. Monsieur Longuet s'est intéressé au système félin et a eu l'occasion de tester quelques équipements constituant ce dernier. Il s'est également entretenu avec les fantassins du 1er RI et les pilotes du 1er RHC ayant participé aux démonstrations. Les officiers sur l'hélicoptère Puma sont amenés à servir sur tous les théâtres d'opération. Avant de s'adresser à l'ensemble des personnels. À cette occasion, il a confirmé la nécessité de doter les unités de l'armée de terre des meilleurs moyens afin qu'elles puissent accomplir leur mission.